Dieu, merci Seigneur. Et voilà aussi un très grand bonjour spécial à tous ceux qui sont à la maison, qui sont connectés, qui vraiment peut-être en famille à la maison, que je peux vraiment unir tout ensemble pour écouter la parole de Dieu ce matin. Que Dieu bénisse tout à chacun de vous, tous ceux qui sont à la maison, ainsi tous les membres de la famille. Dieu bénisse autres. Monsieur Certain, vous passe un moment béni dans la présence de Dieu et par ses paroles. Ce matin, avant que nous vous rendions la parole de Dieu, nous pouvons tourner à droite ou à gauche, nous pouvons dire à ceux qui persistent vraiment à côté de nous, dis-lui ce matin, sincèrement et honnêtement, tenant un grand valeur devant les yeux pour Dieu. Même ceux qui sont à la maison, tenant un grand valeur devant les yeux pour Dieu. Donc, le monde n'est capable vraiment. Et parfois, il y a toutes sortes de choses capables de dire, nous concentrer, laissez le frère pour, avec lui là. Donc, le monde est capable de dire toutes sortes de choses, mais ce qui nous connaît, dès qu'il saute, nous connaît qui nous était dans les Seigneurs, et nous connaît aussi, nous avons un grand valeur devant l'Igée bon Dieu. C'est ça qui est important. Donc, nous pouvons nous la Bible ce matin dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le chapitre 4, l'évangile de Jean, le chapitre 4. L'évangile de Jean. Le chapitre 4, nous pouvons lire à partir du verset 34 jusqu'à le verset 35. Et aussi, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui peuvent visiter nous pour la première fois, même pour la deuxième fois. Que Dieu bénisse tout à chacun de vous. Nous sommes tous un seul peuple, une seule famille de Dieu, pardon de ce matin. Amen. Nous tous, même famille de Dieu, même famille dans les Seigneurs, même enfant de Dieu, attendez autres ce matin, même enfants bon Dieu. Donc, c'est pour ça que nous disons, nous avons un grand valeur, divin, lisez bon Dieu. L'évangile de Jean, le chapitre 4, à partir du verset 34 jusqu'à le verset 35, m'offert la lecture. Jésus le dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Le verset 35, l'aucune vous parlait ce matin. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit. Levez le jeu et regardez le champ qui déjà blanchissant pour la moisson. Amen. Nous relirons encore une fois. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, mais moi, me dis autres, les autres lisiers, et regarde dans le champ, qui déjà est dans le champ, et qui déjà il peut vraiment blanchir pour la moisson, veut dire que il peut fleurir, déjà il a fleur, veut dire la moisson, Fini par. Laisse-nous couvrir la tête, nous bénis Dieu pour sa parole. Papa, c'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que vous priez toi, notre Dieu. Vous bénis toi, vous rendez grâce. Et merci pour la puissance de la parole. Merveilleux, grand, tout puissant, Saint-Esprit de Dieu. Prends contrôle toi-même, Saint-Esprit. Prends contrôle, Papa, de la parole. Prends contrôle, Papa, sur les messages. Prends contrôle de ce troupeau, ce brebis, Seigneur. Me prends l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Me commande à toute ma puissance de la distraction qui redistrait à sa peuple-là. Redistrait à ta parole. Moi, tâche à mon esprit-là dans le nom de Jésus-Christ. De Nazareth et me proclame la liberté, la puissance, le miracle, la guérison qui opérait au milieu de ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Alléluia. Amen. Merci Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Et voilà ce matin, nous venons lire
vraiment le récit de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 34 jusqu'au verset 35. Donc, quand il dit, levez les yeux et regardez le champ. Lève les yeux et guette le champ. En d'autres mots, le champ, la récolte déjà finie. Pas finie, pareil. Donc, ce matin, je vous parle un petit peu ce matin, le thème de ce message, la moisson spirituelle. Amen. La moisson spirituelle. Donc, pour concentrer nous dans la parole, en évitant toutes les distractions, laisse le Saint-Esprit faire son travail. Donc, ce matin, puisque nous finir ce message ce matin, quand il dit, lèvez les yeux et regardez le champ. Donc, ce matin, nous vous parlons un petit peu sur la moisson spirituelle. Donc, quand on parle de la moisson spirituelle, c'est une certaine chose qui cela les représentait. C'est les représente pas âme. Qui les représentait? Âme. Quand on parle la moisson librée, guette comment tout vient blanchir, bien tout vient blanc, pendant tout vient gagner flair, il parle ce matin, la moisson spirituelle, c'est les âmes. Et le plan de Dieu, quand vous guettez maintenant, nous rentrons dans les messages, le plan de Dieu depuis le commencement. Depuis le commencement, le plan de Dieu, c'est quoi? C'est pour sauver des âmes. Ça, c'est le plan de Dieu. Et pas pour sauver quelques âmes. Le plan de Dieu, ce n'est pas que quelques âmes qui seront sauvées. Dans le plan de Dieu, afin que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu dès le commencement. C'est pour cela que Jésus-Christ vient dans la terre. Qui fait Jésus-Christ vient dans la terre? Pour quelle raison? La seule raison que Jésus-Christ vient dans la terre, c'est pour tirer l'homme dans son péché, pour sauver son âme, afin que l'homme soit capable un jour de gagner le royaume des cieux. C'est là. Il y a d'autres raisons que Jésus-Christ est venu dans la terre. Il est venu parce que la terre est remplie en péché, les hommes furent plongés dans le péché, les hommes furent dans le marais noir, dans les ténèbres, pas connaître que quoi l'équipe pour faire, comment pour sortir. Mais gloire à Dieu, merci Seigneur, un sauveur qui est venu pour sauver l'humanité. Et ce sauveur, c'est son nom est Jésus. C'est pour la raison pour laquelle, la raison principale que Jésus-Christ lui donne sur la vie de la croix. Pour une seule raison, on pourrait dire, pour sauver le pécheur, pour sauver les âmes. C'est ça le plan de Dieu pour l'humanité en entier. Amen. Et quand on parle maintenant, on parle pour sauver les âmes, et nous pouvons trouver comme nous pouvons tenir tout au long du message, nous pouvons rester dans ce topic-là, lever les yeux et regarder les champs, lève les yeux et guette les champs. Et quand on parle cela, et nous dit aussi la raison qui bon Dieu vient dire Noé, bâtir un homme, bâtir, rendre un grand bateau, nous prenons le contexte là pour tout qu'on nous comprend. La raison que Dieu vient dire Noé, rendre un bateau, pour une seule raison. Qui raison ça? C'est pour sauver l'humanité, sauver les hommes qui tuent la terre. Ça l'étend là, qui fait pour que les hommes ne périssent pas. Dès le commencement même, c'est dans le but de Dieu, dans le plan de Dieu ça. Sauve-âmes, sauve un pécheur. C'est pour cela que Dieu fit Paul à Noé, rends un grand lance, donc rends
et faire le maximum, il rendit grand, il rendit grand dans le plan de Dieu, qui veut le rendre grand. Ce n'est pas seulement pour accueillir des animaux dans l'anse, mais principalement c'était pour accueillir des hommes. Quand nous parle des hommes, nous parle ben l'âme. Mais malheureusement, grand Kouma, grand tirant sa bateau-là, malheureusement, aucun homme en Dieu, sauf la famille de Noé, aucun homme en Dieu, pas ne résident dans le bateau, dans l'ange. Personne, malheureusement. Mais, même que personne pas rentrer dans le bateau-là, mais c'est bon, Noé dit qu'il veut continuer vers ce travail. Noé, tu peux continuer faire ce devoir. Ce devoir vis-à-vis de Dieu, c'était quoi? C'est proclamer, dire, causer, cause de Dieu, parle de Dieu, averti. Dire à sa bande pécheur-là, sa bande dimoun-là, bon Dieu, Dieu en l'autre mot, peut faire les autres reconnaître et connaître, bel et bien, vraiment, il y a un bon Dieu qui est vivant, qui existait. Amen. C'est ça l'appel qui nous est arrivé à cette époque. Mais malheureusement, aucun homme, pas de l'attention, pas de prêter l'attention, pas d'écouter, pas d'intéresser. Et comme vous pouvez, voilà qu'il peut préparer ça, le Saint-Esprit fait moi comprendre, dans ça le temps-là, peut-être le terrain pas encore prêt. Peut-être dans ça l'époque-là, dans ça le temps-là, le terrain pas encore prêt pour l'homme de sauver. L'homme fait continuer à vivre dans son péché, dans son erreur, mais après qu'il finit d'arriver, l'homme, il a perdu et il périr pour tous les temps. Le plan de Dieu, c'est pour sauver l'homme. Qui fait Jésus-Christ qui vient de la terre pour sauver le péché. Qui fait bon Dieu de Noé, rend sa bateau là pour sauver le péché. Et aujourd'hui, de même la parole de Dieu, il adresse aujourd'hui à chacun de nous ce matin. Cette même parole lui adresse à l'église ce matin. Jésus-Christ le parle à l'église ce matin. Quand Dieu le dit à l'église, aujourd'hui, lève la tête et regarde les champs ce matin. Lève ton lisier, guette les champs. Donc, nous dire dans ce moment-là, aujourd'hui, dans nous les temps, dans nous l'époque, maintenant, c'est le devoir de l'Église, c'est la responsabilité de chaque enfant de Dieu, de chaque chrétien, pour débouter pour son bon Dieu, comme un disciple, pour accomplir son mission sur la terre. Amen. La question qui est posée maintenant, quelle raison que bon Dieu fait sauver? Pour quelle raison nous sauver? Nous sommes aussi pareils comme avant le péché. Nous sommes aussi dans nos ignorances. Nous sommes aussi dans plusieurs qui sont qui tu peux faire, qui nous sont bon, qui me semble bon, nous tu peux faire lit. Mais finalement un jour, quand la parole finit non pas seulement jusqu'à nos oreilles, mais la parole finit jusqu'à nous les guérir. Et le but, le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et comme Dieu peut dire maintenant, c'est aujourd'hui pour dire dans ces temps-là, aujourd'hui, maintenant, c'est le temps de l'Église, c'est nous les temps maintenant. Dans nous les temps maintenant, Dieu lui dit, lève les yeux, guette le champ. Et quand nous guettons, qui est non maintenant en nos possessions pour nous donner dans les champs. Qui maintenant en nos possessions? Nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, qui maintenant? Qui sont mon Dieu de nous, pardonne
Ça, le monde là, avec Paul, le champ, le monde en dehors. Tout à l'heure, peut-être, il y a une question que vous pouvez poser dans votre équerre. Mais frère, vous pouvez trouver comment le monde peut vivre en bas là-haut, qui peut arriver, frère. Mais comment peut capable dire que lève le jeu, guette le champ, que la moisson est prête, frère. Comment on connaît que la moisson est prête? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, bon Dieu nous donne l'intelligence, nous pourrons dans les profondeurs de maman là. Dieu nous donne l'intelligence, bon Dieu nous donne l'esprit, bon Dieu, il nous donne les yeux. Aujourd'hui, nous sommes capables de beaucoup qui sortent, et nous sommes capables de comprendre beaucoup qui sortent, qu'auparavant, autrefois, même nous, se peut trouver, dans rien ne participer au moment. Beaucoup de choses aujourd'hui nous comprenons. Et quand nous connaît vraiment qu'on nous guette, et nous connaît qui peut arriver, qui vraiment, qui plus pire encore peut venir devant nous, nous connaît. Est-ce qu'il nous connaît? Donc, nous connaît devant, aussi, nous connaît des choses qui nous connaît, puis tous les enfants de Dieu, les chrétiens, même ceux qui connectaient, peuvent écouter ce matin, nous tous nous connaît, qui bel et bien, et non, un enfer existait, qui peut atteindre pour mal péché. Nous tous nous connaît? Nous tous nous connaît. Nous tous nous connaissons qui très bientôt, on ne parle pas loin, très bientôt, qui prenons une grande tribulation, qui c'est qu'il reste sur la terre pour passer par une grande tribulation dans notre vie. Est-ce qu'il nous connaît? Oui. Beaucoup de choses que Dieu finance et nous finit maintenant au courant. Est-ce qu'il nous connaît? Très bientôt, ça c'est, il n'est pas loin, très bientôt, il est déjà dans la préparation même, cela peut coûter maintenant, comme tout le monde qui mourrait sur la terre, chacun pour vous imposer un mort qu'appelle le mort de la bête. Est-ce qu'il se connaît? Oui. Pas tant de ce matin. Mais souvent dans les messages, nous parlons pas qu'on peut aller. Et nous tous nous connaît quand par exemple, le moment, tout ce qui fait porte le mort de la bête, qui ce soit dans le front ou les autres, la main, peine aucune grâce encore pour eux, il finit condamné ça. Peine à repentance, peine à pardon, peine à... Dès qu'il finit mettre la mort, c'est comme on nous dit, barrer la porte là ouverte, droite l'enfer. Nous tous connaissons ça? Oui. Nous tous nous connaissons. Donc, puisque nous tous nous connaissons, qui maintenant en une possession pour nous donner sa chambre qui désarme il finit parer en l'air là. Qui nous est dans, pardonne-nous. Qui nous est dans, le champ finit parer, lève les yeux guettés, regarde le champ. Quand il finit parer, partout il finit fleurir. Donc, qui nous est dans en nous possession? En nous possession, puisque nous comptons tout, nous courons le tout, et il y a quelque chose qui est central dans nos lames, qui est important, qui pisa de nos lieux. C'est la parole. La parole. C'est la parole. Encore plus fort, c'est la parole. La parole. Nous tous nous connaissons en nous possession et dans une chose qui appelle la Bible, qui est la parole de Dieu. Et cette parole-là qui lui donnait ça. La vie. La vie éternelle. La parole-là qui donnait la vie. La vie éternelle. La vie éternelle qui est capable à le sauver. Une parole, voilà, c'est qu'un dimon, sa parole-là est qu'un dimon, il sauve un dimon sur l'âme. Sa parole-là, il rend de la case un dimon, il sauve la famille sur l'âme. Donc, sa parole-là, ça nous est en nos possessions. Sa parole-là qui est capable de faire un dimon dans son mensonge, pour amener dans la vérité, pour amener dans la vérité. Donc, quand on écoute ça maintenant, il y a quelque chose qui dit en nous, nous pas le guetter maintenant. Nous tout connaissons Jésus-Christ, peut retourner très bien, très bientôt. Et maintenant, tout un chacun de nous écouter, qui responsabilité qui maintenant, en tant qu'enfant, en tant qu'un chrétien. Nos responsabilités, et ça même l'ordre que Jésus-Christ vient donner dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 28, qui dit aille dans le monde en entier. Aille dans le monde en entier. Qui va le faire? Qui va le proclamer? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Donc, le temps maintenant est arrivé. Moi, je dis à Stéa, il vit le devoir de l'Église.
Amen. Amen. Le devoir des sacs enfants de Dieu, des sacs chrétiens. Maintenant, chacun vient ce devoir pour l'accomplir, parce que très bientôt, nous pourrons à la rencontre de notre Seigneur, et quand nous pourrons à la rencontre de notre Dieu, mettre ça bien dans nos lèvres, dans nos pensées, dans nos la tête, et il y a une grande récompense pour nous là-haut. Amen. Et quand nous parlons de la grande récompense, il y a un travail déjà fait. Amen. C'est le travail que Dieu fait de nous, la responsabilité, l'eau, la terre, le plan de Dieu, que Dieu est là. Nous vous guettons tout à l'heure pour qui il commençait. Pour qui il commençait. Tout un chacun, il est là. Donc, ce rôle à jouer, vous prenez l'exemple, vous prenez l'exemple avant de mourir dans le topic exactement de vous rentrer. Chacun a un rôle à jouer concernant le royaume des cieux. Pour faire le royaume des cieux avancer, chacun a un devoir, un rôle pour faire un âme sortir de l'enfer pour lui rendre dans le royaume des cieux. Est-ce que je connais pour nous un qui est déjà dans l'enfer? Est-ce que je connais ça? Est-ce que je connais pour nous la porte de l'enfer qui nous a fini ouvert pour nous? Est-ce que tu connais la porte de condamnation qui est fini ouvert pour nous? Est-ce que tu connais si nous qui finis bouche légère, qui finit trop tard pour nous? Mais la parole de Dieu est venue à l'heure. Tiens, à l'heure. À l'heure. Et de la même manière, ce matin, que cette parole l'épouinant se valait dans sa la vie. Un péché qui nous a la terre. Maintenant, laisse-nous guetter l'exemple. Chacun nous dit qu'il a son devoir interne. Après, nous pouvons trouver maintenant, il est arrivé. Automatiquement, nous pouvons trouver l'église arrive sur l'air, l'ici à terre. Ce n'est pas l'heure pour nous dire qu'il nous ensommeillait spirituellement. Non, c'est l'heure de réveiller. Donc, quand vous dites, par qui nous commençons avant? Qui sait pas qui il commençait, qui s'en a une amène sa l'évangile là avant, qui s'en a une descend sa parole là avant, Jésus-Christ même qui descend premier. Il commence sa mission, modèle et l'exemple, c'est Jésus-Christ même. Il descend de la terre qui n'amenait la bonne nouvelle du royaume de première personne de dire. Il amenait l'infer ce port. Quand il finit faire son pas, son mission fut accomplie, Jésus-Christ fut allé. Et quand il allait, on va dire de milliers des âmes, ce cliché qui finit ouvert, ce fini comment se colle l'évangile. Amen. Maintenant, quand Jésus se pas fut fini, qui c'est qui prend la relève? C'est ben apôtre. Ben apôtre, ben disciple. Ben là, il continue le travail que Jésus-Christ lui quitte à notre point. De disposition, je ne fais un devoir. Tiens, je le devoir. Je ne fais un devoir, je continue à prêcher l'évangile. Je continue à prêcher la parole de Dieu. À prêcher le royaume des cieux sous notre ministère. Pendant qu'ils proclament la parole de Dieu, ben là, si dans notre état, beaucoup des âmes sont sauvées, font connaître la parole de Dieu, ben là, si notre mission est accomplie, ben là, si allez. Attendez ce matin. Amen. Et finalement, maintenant le tout de qui s'en là, le tout c'est les anciens de l'église. Si nous nous venons là ce matin, finalement pas d'ancien, qui est ancien? Pas d'ancien qui travaille arrache-pied. Pas d'ancien qui travaille dans le temps de dire que nous le préciserons qui vient à l'Évoriste, il nous proclame la parole, l'ici l'inalé, il fait ce qu'il allait, il quitte la parole avec. Ban Mauricien avec les anciens. Peut-être oui, oui. Ce matin. Oui. Nous rentrons, le bouton, nous tout, comment nous tout, le plateau. Oui. Donc, pendant qu'il fait notre mission, on allait, le vrai ciseron dans son ministère, qu'il proclame la parole de Dieu à l'île Maurice, que ce soit à la Réunion, beaucoup de gens, beaucoup ont dit qu'il vit ancien, quand la parole de Dieu fait rentrer à travers cet homme de Dieu, cet missionnaire, le frère Ciseron. Et les anciens, je dis qu'on nous guettait beaucoup et beaucoup des églises, pas l'ancien des filiales.
Parce que ce petit temps fait l'arrivée, Dieu n'a pas besoin. Dieu, Dieu n'a pas besoin de n'aller. Mais qui s'est quitté pour hier. Comme un ancien finalé, beaucoup de notre ministère se fait de porte en porte, maison par maison, village par la village, la ville par la ville. Maintenant, c'est fini à Aspierre. Jésus même qui nous trouve beaucoup de l'église, ville plantée, nous proposons à l'île Maurice. Beaucoup des églises, ville plantée à l'île Maurice. Maintenant, fais-je pas de n'aller. Dieu, je fais-je pas. Maintenant, chien, tu fais-je pas. Moi-même, si je dis, moi, encore là, grâce à Dieu, et grâce à mon ancien là. Amen. J'ai donc un petit témoin, ça, mon ancien. Et vous avez l'occasion, lève avec mon ancien même, former mon ancien. Et beaucoup avec qui on grandit spirituellement, avec qui on travaille, mon apprend le travail, 99%, il finit aller. Il finit aller. Maintenant, notre mission est d'accomplir l'évangile, il contient. Même au final, mais seulement, qui je veux faire? Je veux faire le dévoir. C'est ça qu'il faut. Je veux faire le dévoir. Je veux faire le dévoir avant de le divin bon Dieu. Vous pensez 5 anciens. Vous prenez comme ça. Vous prenez le minimum. Vous prenez le minimum. 5 anciens dans son état. Mais pour l'état, il peut venir. Dans son état, dans son époque. Vous avez 5 anciens. Peut-être qu'il sauve 5 familles. Amen. 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 À l'imaginer combien anciens il est là. Et combien il multiplié, combien famille. Donc, les anciens viennent faire ce port finalé. Quand les anciens viennent faire ce port finalé, ils costaient une vie. Maintenant, c'est un évangéliste qui l'avait maintenant. Un évangéliste, un missionnaire. Dieu vient mettre debout un évangéliste, un missionnaire dans cette génération, une jeune génération, pour travailler avec cette jeune génération. Dans le monde en entier. Beaucoup maintenant, beaucoup d'évangélistes, de missionnaires, d'anciens, beaucoup de morts. Nous, quand nous guettons, nous tendons de finir, de finir décédé, de mission accompli, Dieu qui finit à Pelzotte, qui prend la relève, un nouveau, un jeune missionnaire, un jeune évangéliste. Mais pour qui finit arrive un nouveau, un jeune évangéliste, jeune missionnaire, mais finalement un ancien missionnaire, ancien évangéliste qui travaille dans un travail de faire de tes voix, ben là si tu sauves beaucoup des âmes après ce final. Je vous parle des âmes. Dieu m'intéresse et non rien nous arrive. Amen, amen, amen. Dieu pas intéresse non rien nous à la terre là qui tout qui soit pas à zéro puisqu'il lui-même n'y pas intéresse ni l'eau l'argent matériel et nous aussi quand nous parlons la vérité ni l'eau ni l'argent non rien va pas l'aller. Amen, amen, amen. Donc maintenant, quand les évangélistes lui viennent aller, c'est l'autre qui prend la relève, le missionnaire qui prend la relève. Donc, l'évangile fait continuer à prêcher. Aujourd'hui, de qui le tout maintenant? Qui s'en a son tour aujourd'hui? Les anciens, Jésus fait ce pas, les disciples fait ce pas, l'apôtre fait ce pas, missionnaire fait ce pas, l'évangéliste fait ce pas, ben, l'ancien fait ce pas. Qui s'en a ce port resté maintenant? Qui s'en a ce port resté? Nous. Criez faux? Nous. Criez encore plus faux? Nous. Nous, c'est nous, nos ports qui restent. Et pour l'autre qui peut prépare ça, le Saint-Esprit, révèle-moi un secret. Explique-moi clair comme ça même. Les intérêts, comment fait-il qu'aujourd'hui, moi, membre de l'Église, ces membres de l'Église ne sont pas capables d'évangéliser? Oui, nous perdons le réveil à l'île Maurice. Réveil, c'est la perdons le réveil. L'Église, nous perdons le réveil, quand on fait le réveil éliminé, qui nous perdons des grands miracles au milieu de nous-mêmes? Perte une délivrance au milieu de nous-mêmes. Là, le Saint-Esprit montre-moi une chose. Les écoutes, le diable, comment briser et quitte la stratégie que le diable lui servit pour empêcher un de vos enfants pour proclamer sa l'évangile du royaume de Dieu. Écoutez.
dit pour quelle raison. Il y a un message en général, ça. Il y a en général, papa parle pour cette église, mais à tous les chrétiens qui peuvent écouter, qui connecter, qui pensent la parole de Dieu. Là, il dit, d'intérieur, vous veillez mon intelligence, mon vie spirituelle, qui fait moi guetter un moment mon dessin là-dedans. Moi, un dessin, mon assisé, comme si, pour expliquer comment ça se passait, pendant qu'il peut préparer le message. Un moment, mon dessin là, mon assisé, les marseillais, mon assisé, pour étudier sa stratégie là. Là, vous étudiez, comment le Saint-Esprit jouait sa film là, et là, vous dites, ouais. Qu'est-ce qu'on a fait avec nous? Nous, au commencement, nous disons, nous avons un valeur. Dieu nous a nous valeur. Nous avons nous valeur, disons les gens. Et puisque nous avons nous valeur, bon Dieu nous a une chose plus grande valeur dans nous la main. Soit pas? Donc, qui est arrivé, qui le diable met devant nous? L'île met devant nous tout, un OIS, comme vous dites, là, vous dites bien des choses. Nous tout, nos propres préoccupations. Nos propres préoccupations. Veut dire, nous battons des choses personnelles. Moi, pas pour quoi le matériel, parce qu'il n'est pas montré moi matériel. Mais nous pas montrer son stratégie que le diable servit. Comment il gagne l'église là? Il gagne l'église là, il gagne le peuple là. Mais seulement empêche-nous à le faire. Nous dévoir la raison qui nous a envoyé nous. Et empêche-nous à le faire. Nous dévoir de la chrétienté. Nous dévoir en tant qu'enfants de Dieu. Nous pas préoccupations. Moi, expliquer. Les faire une qualité et stratégie, on montrerait comme ça là. Faire comment dire, un chrétien, il a un problème. Il a un problème, il peut débattre de ce problème. Veut dire, jour après jour, le temps même peut passer, il y a encore la guerre avec un seul problème là. Il a un problème. Voit qu'on en a là. Il a un problème. Il y a encore qui combattent avec ça même, il y a encore qui prient avec ça même, il y a encore qui vient, qui tourne avec ça même. Les jeunes me disent, l'autre chemin, il parle, qu'est-ce que moi j'ai déroulé? Bon, vous dites, un démon est malade, vous parlez de ça, un démon est malade, il peut combattre avec ce malade, il peut prier, oui, il peut prier, un moment il est correct, un moment il est tout pareil, il dépend sur la foi, il dépend sur confession de la foi. Le diable jouait avec ça. Asté le chemin, les jeunes et le dimoun le chemin et des stratégies. Les jeunes et le dimoun le croisé, qui m'a dit, un dimoun. Si nous chrétiens, écoute-moi, si nous chrétiens, nous n'avons pas le problème, nous payons. Être franc, et nous payons. Si nous payons ça, bon Dieu, nous n'avons pas de problème, nous payons débat, combat. Mais imaginez ça, qu'il y a un Dieu, il y a un problème, lui. Ce problème plus grand qui nous. Ce problème plus grand qui nous. Vous allez dire, frère, moi, mon problème plus grave qui lui. Ton problème n'est pas plus grave qui lui. Mais c'est votre problème pas plus grand qui te bouge. En le port de l'insimation, mais il peut l'insimation. Comment les diables jouent? L'État jouent, l'État croise avec sa timoune qui plie dans le fait qui nous là. Qui m'a dit ça de bien? Ah yo, tu m'en as là pour causer. Ah yo, tu ne peux pas qu'il y a des problèmes, mais passer telle maladie, telle affaire. Moi, je suis docteur. Chrétien la réponse. Et t'as moi aussi, je vais passer pour ça malade là. Moi aussi, je vais souffrir là. Moi aussi, tu as les visions. Oui, non, moi aussi, je suis malade. Les bons là pour Dieu te connaître. Moi, j'ai encore tel docteur spécialiste. Allez, vous recommandez-toi, vous donnez-toi son numéro de téléphone. Allez, téléphoner, mettre rendez-vous, chrétien. Ah, le docteur, là, chrétien. Depuis là, tu fais qui toi? Attention, depuis là, tu fais qui toi? Oui. Alors, qui nous peut préoccuper? Avec nos propres problèmes. Par contre, c'était une location idéale. Amen. Pour donner Jésus-Christ, pour donner la parole.
nous gagnons cette opportunité là. Nous gagnons cette occasion là. Nous gagnons ce sens là pour faire sa parole là marcher dans sa lémon là. Amen. Mais nous pas faire présente la parole. Nous pas présent Christ à sa dimoun qui plie dans Jivé qui moi là. Moi présente mon problème dimanche moi là. Moi présente mon problème dimanche moi là. Et dimoun là maintenant, lui dans son problème. L'issipe de débat, l'ipe dans si maison qui, l'ipe dans la peau, l'ipe contre la peau, l'ipe contre ceci, cela, mais toi qui connais tout, toi qui es dans tout, toi qui es dans cette possession, mais tu n'es pas capable de dire ça. C'est comme ça que l'évangile n'est pas capable de propager. Et l'autre peut-être qui a ce problème personnel, nous pouvons évoluer, nous pouvons ouvrir en haut. Et l'autre de ce problème, ça veut dire tout le monde a un problème. Et l'autre de ce problème personnel, nous pouvons citer. Quand les jeunes et l'autre du monde, ils racontent ce problème, ils pleurent ce problème, ils sont capables de passer par des heures, leur téléphone pour raconter ce problème. Et dans ça, dans nous la met. Ça n'a pas de pour sortir, pour passer par téléphone, même pas de téléphone, y aller. Pas de pour sortir. Donc le diable, il fait un cas de manipulation et se ruisse. Fais-nous ça qu'elle préoccupé avec nos problèmes, avec nos problèmes, avec nous la case, avec nos familles, avec nos enfants, problème des enfants, problème de foyer, problème de famille, problème de la santé, problème de travail, problème ça, quand nous passons tout ce qui nous causait, nous causons nos problèmes, quand ma tête entend, nous restons nos problèmes, nous juste prier pour nos problèmes, nous résistons, sur le champ pour nos problèmes. En dehors les diables. Et continuer vers massacre. Et nous tout et dans sa potentiel là-dedans. Dis-moi non. Nous avons le potentiel pour témoigner la parole de Dieu. Et puis il arrive le temps maintenant, nous avons le tout. Nous devoir. Frère, vous connaissez, quel est le problème, quel est la faiblesse, quel est la faiblesse, frère, comment vous la faiblesse? Mais pas le chrétien, bien le chrétien. En général, c'est tout ce qui peut même peut écouter. Mais c'est si nous pouvons être nos faiblesses pour sauter. Mais quand nous pouvons les temps, attirer un autre démon qui pas qu'on s'y met, pas qu'on est donc la porte pour lui sortir de son faiblesse. C'est là que vous causez des péchés. Qu'est-ce que le diable commence? Les fait nous préoccuper avec seulement nos petites choses qui les personnelles. Pas des choses qui personnelles. C'est pour cela que Dieu vous dira, malgré comment le chant il paraît, malgré maintenant, quand Jésus-Christ peut dire, lève les yeux, lèvez, lève notre lisier, guette le chant il paraît, guette tout fait fleurir à partout. Mais peut-être vous dire frère, mais comment le champ fait pas? Comment vous connaissez le champ fait pareil? Comment vous capable dire qu'il vraiment partout fait blanc, partout et il finit de cette flère, ça même pareil, comment mettre la maison là-dedans? Vous donnez un petit exemple. Pareil comme Tiena, nous tout connaissons cette histoire, nous tous connaissons ce film Titanic. Tout nous guettez. Nous guettez? Amen. Non, pas fait le sang. Moi, nous guettez quatre fois. Vous avez cette année qui avait coulé? C'est le pas mon guettez. Donc, nous venons de sa goutte-là. Quand bateau-là a coulé tout le monde dans la mer, qui se peut rôder là? Sauf. Sauvetage, c'est goût. Tu peux rôder? Descends ensemble. Tu peux rôder? C'est goût. Pérode, c'est goût.
Pérotte ses coups pour capable sauver votre lâche. Si il y a une place finie, je prends une place, si je peux sauver la vie. Si le même zilet sauvetage, je prends des zilets sauvetage, je sauve votre lâche. N'importe qui sauve une branche, je peux capable de rappeler pour sauver la vie. Quand vous coulez, quand vous l'avez au divan. Et quand vous revenez dans le monde spirituel, c'est-à-dire, laisse-nous guetter le monde qu'on va faire pareil. Le monde finit pareil. Tout le monde peut souffrir. Tout le monde peut souffrir. Tout le monde connaît qui peut souffrir. Cette génération là qui peut souffrir. Nous sommes une génération là qui peut souffrir. Dans la. Dans la. Dans la. Dans la gros papa. Tout le monde, cette génération là, même maintenant, dans tout le monde qui est dans le couple qui est marié, il tombe là-dedans. Perrot pour sortir. Perrot pour sortir. Perrot toute manière pour sortir. Perrot toute façon qui est capable pour sortir. Mais qui s'en a pour chez eux? Elle avait quoi chez eux? Elle avait pour qu'on dirait avec? Qui s'en a pas chez eux? Jésus-Christ pas guette comment nous guetter. Nous pensons qu'on devait pour un grand réveil, à ce terme, nous ne pensons pas beaucoup. Non! Poisson là, déjà là, il peut débattre là. Poisson là, peut débattre là. Ça va être Zam là, ça va être Timoun, ça va être Zam génération là, ça va être personne qui tombe là-dedans là. Ça va être Zam ça, je veux dire Zam ça. Ça qui crée nous, ça bon Dieu qui crée nous là, ça même bon Dieu crée lui. Même qu'il n'est pas mal qu'il n'a pas l'autre bon Dieu, lui n'a pas l'autre bon Dieu. Mais seulement, c'est bon Dieu qui crée nous, il donne nous le souffle de vie là, c'est même bon Dieu qui vient créer ça. Combien de personnes tombent dans la drogue? Mais vraiment, quand nous dire, la drogue peut faire ravage. Je suis pour dire, oh l'Église, oh mon peuple, les amen. Les chants vivent pareil. Amen, amen, amen. C'est comme ça qu'il s'est dit Christ. Amen, amen, amen. Les chants vivent pareil. Si vous pouvez débattre pour sauver sur la vie, qui a des toutes choses que vous ne pouvez pas faire pour dire aux enfants là-dedans. Si nous, maintenant, il arrive le temps, le devoir de l'Église aujourd'hui, si nous pouvons continuer, rester dans nos problèmes, être dans nos propres tourbillons, quand nous pouvons gagner, nous avons nos propres préoccupations, préoccupations avec nous, dimanche, nous dormons, etc. Quand pour sortir, pour brancher, pour faire les voyages, vivre ça, du monde là, ouvrir sa livre là, donne-lui ça la vie là, donne-lui ça l'espoir là, donne-lui ça le souffle là, donne-lui ça l'espérance là. Quand et qui ça là, voilà ça. Déjà une chose, je suis plus à l'église. Lève-les-je tout là-haut. Les champs viennent pareil. Aujourd'hui, quand nous avons donné le gouvernement qui a pu faire une donnée concernant divorce, l'autre jour, on peut dire ça. Il y a un manchon, un bout de manchonnet. Il se dit aujourd'hui, à nos jours, et notre divorce, plus beaucoup qu'il mariage. Combien de foyers peut divorcer? Veut dire, le divorce peut faire ravage. L'état de divorce peut faire ravage, couper, briser, peut casser. Famille peut casser, famille peut déchirer. Jésus-Christ pour dire à l'église. L'église est guettée, le champ finit pareil. Amen, amen, amen. Le champ finit pareil. L'église est guettée. T'as l'air de nous expliquer, de ne pas me dire à faire évangélisation.
pas pédir. C'est pas à le rendre dans l'hôpital, frère, le coronavirus, pas capable. Non, pas ça que Dieu peut expliquer, on peut expliquer avant de terminer. Comment nous capables de travailler avec un sang, avec ça, avec ça, avec ça la Bible. Avec ça. Aujourd'hui, c'est le temps de l'Église maintenant. Je peux dire, lève la tête, guette le champ paraît. Combien de divorces, combien de foyers peut casser, peut briser, peut démanteler. Et là, il y a mon Église. Qu'est-ce qu'il y a mon Église? Seigneur, qui m'a parlé faire? Seigneur, qui a fait la terre, mais qui m'a donné toi? Qu'est-ce qui m'a donné toi? Parce que mon mot, pour savoir que c'est la croix, mon mot, mon paye le prix. La raison qui m'a mis dans la terre pour ça même motiver. Mon vie pour m'a drogué, pas tant d'autres ce matin. Mon vie pour m'a divorce, pas tant d'autres ce matin. Dieu qui a mon fini. Jésus-Christ pas pour retourner pour lui prêcher l'évangile. Mais Jésus-Christ pour retourner pour enlever son Église. Pour enlever son peuple, pour enlever son ma création qui croit dans l'inaccepté comme Seigneur Sauveur. Jésus-Christ il fait son point, il allait. Les disciples font son point, il allait. Les apôtres font son point, il allait. Les enseignants, les disciples font son point, il allait. Les évangélistes ils font son point, il allait. Le missionnaire fait son point, il allait. Aujourd'hui c'est nous pas. Tiens, c'est nous pas aujourd'hui. Et c'est nous devoir ça. Combien de personnes aujourd'hui encore? Et puis j'allais exiger qu'il était. Combien de monde qui tombe dans l'alcool? Vivre un esclave de l'alcool. Tout cas, quelque chose je peux faire, faire des promesses je peux faire pour sortir de cet alcool-là. C'est ce que je viens quitter. Ça, ce monde-là, c'est les mots. La Bible est claire. Les ivrons n'hériteront point le royaume des cieux. Et nous connaissons un péché le la terre si l'Ipan répandit, l'Ipan accepte Jésus-Christ, son Seigneur, son Sauveur. Nous connaissons, tout ce qui peut écouter ça, si, nous connaissons un tiré éternel, Père Tani. Nous connaissons comme un du monde dans la colpe de périr. Quelle mène une faiblesse qui n'est pas capable de sortir. Combien de personnes? Et nous encore avec nos propres préoccupations. Moi, j'ai pour faire ça, 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 moi, j'ai un problème là, moi, j'ai un problème là, moi, j'ai un problème là. Aïe, vous faites ma tête peut éclater, aïe, vous faites ma tête peut casser, aïe, vous faites moi, quand même, dégoûter. Si nous, chrétiens, nous disons comme ça, nous causons comme ça, qui arrive, ça le sang dans le monde là, qui n'a pas compte ce qui doit te connaître. Ce qui te connaît, ni pas connaît, ce qui te énorme, ni pas énorme, mais pour lui qui parle, et qui s'en la quoi donne ça, si nous-mêmes nous n'avons pas fait le devoir par lui. C'est le temps de rapprocher maintenant pour que tout un chacun connaisse ses responsabilités. Chacun nous est dans nos responsabilités. La Bible, c'est lui qui a arrosé. L'IM a arrosé, papa. Pendant que tu arroses ton problème, tu peux de la guerre, tu peux combattre ton problème, tu peux donner la parole, tu peux travailler avec lui, tu restes en contact avec lui. Jusqu'à ce qu'il t'amène lui dans l'église, appartient à l'église. Un homme de Dieu prend la relève, vraiment encadré, suivre lui, etc. Nourrit lui, de l'arroser. Ton problème dans la case, qu'il est inhalé, toi-même, tu pas. Amen. Ton problème dans ton la case qui est venu disparaître, toi-même n'as pas connu. Amen. C'est qui, celui qui prend soin de nos enfants, bon Dieu, tiens, moi me prends soin. Amen. Mais le diable, il s'est dit cette stratégie-là. Fais-nous y préoccupe avec nous-mêmes, reste avec nous-mêmes. Reste seulement dans nous, l'encadrement, ça bout là. Il veut nous rendre au milieu comme un prisonnier dans nos propres encadrements. Et tout autour, les âmes peuvent finir, peuvent détruire. C'est vraiment contre la Bible pour dire dans Matthieu 9, 37, et pour dire à Jésus, pour dire alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Et Jésus-Christ, quand il dit ça, qu'on peut préparer ça avant de terminer, quand il dit ça, Jésus-Christ, un moment pour penser, je me trouve qu'il soit encore beaucoup loin. Combien de monde qui n'entend la parole, les trouvent combien de monde malheureux, combien de monde dans la tristesse, combien de monde dans la, etc., etc. Ils disent, moi je suis un grand ça. Et il travaille là grand ça. Et il a beaucoup de travail pour faire là. Et il y a beaucoup de choses qu'il a fait encore. Et manque souvrier. Vous pouvez comprendre. Et manque souvrier. C'est un souvrier. Et aujourd'hui, moi, vous dire, tout un chacun de nous qui vraiment Dieu l'appelle nous, moi, vous dire, nous tournons un disciple de Jésus-Christ. Amen. Vous entendez? Amen. Nous tournons un disciple de Jésus-Christ. Tout ce qui se peut faire avoir, la sorcellerie peut détruire la société, peut rabaser. Comme un démon peut finir derrière la sorcellerie. Qui fait démon dans la sorcellerie? Qui fait démon peut encore faire confiance dans la sorcellerie? Qui fait démon encore dans l'espoir dans la sorcellerie? Parce que ça, prend Covid jusqu'à là pour ouvrir ça. Ça, pas comme une escalade sur les guerres, pour sortir là, pour ouvrir ça. Aujourd'hui, je peux vivre dans les temps, vraiment, nous dire tout quelque chose, peut galoper bien vite. Personne ne peut pas gagner les temps. Et la vérité, mais aussi une pièce. Vraiment, personne ne peut gagner les temps. Parfois, on dit, frère, écoute, la case même pour pas qu'on finisse. Frère, examen sans frère pour qu'on finisse. Frère, on commence à ça pour qu'on finisse. Frère, on commence à faire ça pour qu'on termine. Frère, on commence à un banané pour finir. Ça pour qu'on finisse. C'est que tout ça là, nous ne pouvons pas gagner les temps, pénal les temps passés. Mais quand on a les temps, pour ceux qui sont en dehors, qui peuvent périr pour souffrir. Tous les jours, nous ne pouvons pas gagner ça nous. Qu'est-ce que ça doit être? Qu'est-ce que ces enfants? Qu'est-ce que ces familles? Qu'est-ce que ceci? Et qu'est-ce que ça va commencer l'école? Ça t'a reconnu bien. Guérita, ça t'a voulu. Pas qu'elle va faire un aide. Vous comprenez ce matin? Amen. Ça peut vous être obligé ce matin? Amen. C'est une stratégie que le diable a servi donc pour pièce. Un enfant de Dieu. Ça veut dire aujourd'hui c'est le temps de l'église. C'est le temps de l'église aujourd'hui. L'église de bouger. Qui fait que Dieu peut enseigner nous? Qui fait que Dieu peut donner la parole? Qui fait que Dieu peut venir nous lire? Qui fait que Dieu peut dévoiler nous l'intelligence? Qui fait? Tu as une raison derrière ça. Il y a une raison. Qui veut que Dieu libère nous, Dieu casse la scène, Dieu tient nous dans le trou, Dieu tient nous dans Marie-Mort, Dieu tient nous dans faiblesse, Dieu tient nous dans vie, qui veut que Dieu tient nous, qui raison les tient nous? Qui raison les tient nous? Il tient nous juste pour nous? Il tient nous juste pour nous? Ah, c'est mon bon remercie, on connaît frère, mon bien béni frère, mon bien béni ça, ça c'est maintenant mon bien béni frère, mon gars ça, mais lui qui les gagne. Nos propres préoccupations. Frère, vous pouvez prier pour les frères, vous pouvez prier pour les délivrer, vous pouvez prier pour les autres alors, vous pouvez prier chrétien bien, vous pouvez prier pour les autres alors, frère, vous pouvez prier pour les langues, ça, frère, vous pouvez prier pour y arrêter ça, frère, vous pouvez prier pour ça, mais prier. Est-ce qu'il me rend compte? Pas que c'est prier, j'aime prier. Attention, j'aime prier. Mais c'est moi, il me vient un petit chose juste pour nous. Pour nous pas préoccupants. Par contre, il y a un petit monde qui pas entendu tout l'évangile. Je ne connais pas tout, mission, je connais Jésus, mais qui s'en est dit pour la vie pour rester avec lui, avec son problème. Quand un petit monde cause malade, un petit monde dit, ah, il y a un mot aussi. J'ai un docteur qui était là. Mais venez en même temps, un partenaire de yoga. Lui de faire yoga, de prendre l'épée, de mettre le tolico pendant. Mets quoi le tolico encore. Bon, Dieu tient ce poids, mais mets quoi. Vraiment, en yoga, ça, oui, là. En yoga, un seul coup, on ne peut pas l'adresser. Y allez. C'est toi qui l'as donné, toi. Dis-nous, toi, yoga. Toi qui l'as donné, chrétien.
Et qu'on va tirer là. On va là, c'est pour comprendre. On va dire plus simple pour comprendre. Lis dans ce lémon. Ce lémon, tu as lu ça. Tu gagnes ça. Mais toi, qui t'a donné dans ton lémon, toi, lémon spirituel, qui t'a donné toi? Tu as lu ça. Tu fais ça. Tu crois là-dedans. Tu mets ton équerre là-dedans. Tu la foi pique là-dedans. Tu gagnes ça. Tu n'es capable de dire. Un autre point, moi aussi, mon père. Un mot pris dans le chien qui toi. Pas quoi? Chrétien cause nous ça, pas quoi? Dis-moi là, d'un divin. Chrétien, tu as mot pris dans le chien qui toi. Mais quand tu dis, tu n'as pas de divin, tu peux dire, et la campagne d'émancipation, tu as fait. L'un qui beaucoup de chrétiens sauvés, pas par le temps de payer. Qui parle de Jester? Vinis, Jésus-Christ, guéris-toi. Mais tous les temps, on dit que l'établissement problème. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous comprenez là? Vous voyez comment les diables, c'est une stratégie là? Parce que une personne tombe là, n'hésite pas. Tiens, regarde la tête. Je peux vous lécher, je vais vous lécher. Et vraiment, ça va un moment là, je ne suis pas trop clair, je ne vais pas comprendre rien. Et nous laissons la bouche ouverte, servie, allez, vous nous dites pas bien. Comment dire, l'étape premier coup de temps où l'étape fait, nous tapons, laisse-moi aller. Nous tapons ce qu'il veut. Mais de taper qui donne lui. Vous connaissez l'évangile là, pour toutes les nations, ça? Amen. Pour toutes les communautés, pas dans le zone? Nous avons joué pour ça avec sa frère là. Nous avons une requête, le prière, voyez, pour prier pour une personne. Une personne qui a une autre communauté. Lui croire de ce bon Dieu, parce qu'il y croit, pour lui ça. Mais c'est ma question de venir dire, nous, si nous faisons trois fois la prière, tu vas nous faire, mais c'est mon temps de dire, ben, nous encore prier, et un grand miracle passé. Amen, amen. Amen. Et si la HCU, ce lycée, pas type ouvert, n'aurait pas type fonctionné, on dit. Il y a mon Dieu, camarade là, de famille qui m'a dit, lycée, ben là, récit tout ce lycée ouvert. Amen, amen, amen. C'est ce que j'ai ouvert. J'ai été verras sur un type d'un aîné dans la bouche d'eau et verras. Vous avez continué à pour rassurer tout et pour sortir bien. Amen. Pour qui? Qui donne nous la main? Qui donne lui? La parole. Vous savez, vous dire, tu connais moi aussi, moi, je suis dans une famille dans ICU. Il est dans ICU, et puis nous, you, il a ici, comme tout cette famille, c'est la ICU. Il dit you, il est allé, you, non, pas connu. Il va you, il est allé. Donc, si vous dites ça, si vous dites ça, on est qui l'a côté à l'ouvert là. Il n'y a plus besoin de moi. Il reste tout simplement, hé, c'est ainsi. On a besoin de toi. Vous n'avez pas qu'à être à qu'un bolet. Amen. Et dans ça, dans mon ami. Amen. Et dans ça, dans mon ami. Pour toutes les communautés, ça. Pour toutes les nations, ça n'a pas d'un jeu. Et ça, il a nous la main, qui nous peut faire? Fais-nous pas. Demain, moi-même, pour aller. Moi-même, comme on a vu mon las, on est un ancien. Mon ami, vous parlez de mémoire. Vous faites vos poids, mon ami, vous connaissez mon poids à coups. Moi, vous connaissez mon poids à coups qui vont le faire. Moi, vous connaissez mon poids à coups qui vont le faire. Moi, vous connaissez. Et vous quittez, vous parlez, moi. Il est là, un chêne pour là. L'île, vous dites, pour la relève. Amen. Libre pour travailler sur le flambeau pour continuer. Libre pour travailler avec une nouvelle génération. Tu veux pas revenir l'air, elle date ici ou l'ancien. Si Jésus-Christ n'est pas venu. Quand il parle, il dit qu'il connaît qui il fait dans son parcours. Il connaît comment une famille finit tout ça à travers son ministère, son talent. Ça, quel est le ministère, un don, un talent. Le ministère ne veut pas dire qu'il vient de l'estrade, qu'il y a un micro et un ministère. Vas-y, ça, il a. Plus qui ça est là. Quand tu veux rentrer dans le ciel, ça qui quelqu'un prend ça, on amène ça là, tu l'ouvres ça, tu veux rentrer dans le ciel. C'est le Dieu. Amen. Vous venez? Seigneur, Lila, oui. Oui, toi, tu n'as pas de la main. Donne-lui la vie. Donne-lui la vie, pas dans l'autre. Donne-lui la vie. Qu'est-ce que la vie que tu amènes lui? Seigneur. Aïe, ici Seigneur, vous connaissez comme un ancien comme ça pour trouver comme ça dans le ciel? Vous connaissez comme un missionnaire pour trouver quoi comme ça dans le ciel?
Vous connaissez combien évangélistes pour tout comme ça pour lui dans le ciel? Mais qui fait pas pour vous? Amen. Qui fait pas pour vous? Bougez là, Dieu pour Moïse là. Il arrive l'église. Il arrive l'air pour nous choisir dans nos propres préoccupations. Jean 21, 17, que la Bible terminait, Jésus-Christ pour dire Pierre, Pierre, te contente-moi, Pierre? Seigneur, me contente-moi. Pierre, te contente-moi. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, te contente-moi. Ah, Seigneur, te contente-moi. Te contente-moi. Qui vient y faire? Travaille à soi, les jours. Pas une rayon. Mon frère, c'est la 4 000, 1 et demi. 5 et Pierre? Pierre, travaille fort, fort, Pierre. La peste poisson, soyez avec vos familles. En passant, il faut dire quelque chose avant que vous terminiez là. Vous connaissez, ici, Banapote. Banassé la famille. Banassé la famille. Attention. Banassé qui est avant. Banassé qui est notre famille. Péché, poisson, rance-temps, rance-panier, etc. Tout une quitte-la. On va dire, quitte la case, allez-moi. Quitte-la. Mais vous me demandez, quel est le sacrifice de faire? Vous en dites, ou là? Demain, vous dans le ciel, c'est grâce à mon apôtre là, quelque part, qu'il laisse à l'évangile la vie jusqu'à où l'équerre. Amen. C'est grâce à mon apôtre là. Quitte la case, quitte famille, quitte parents, quitte enfants, quitte travail, rance-temps, rance-panier, pérance, paix la paix, poisson, quitte tout la même. Suive Jésus-Christ, Jésus-Christ demain, Jésus, quitte tout. Moi, je vais mal péché, dame. Qu'est-ce qui intéresse Jésus-Christ? Zam intéresse Jésus-Christ. Dans tout ce que Dieu a un plan, Dieu a un plan. Vous n'avez pas une grande église? Vous n'avez pas une grande église? Peut-être. Et là, vous dites, mais il n'y en a pas trop grand, vous. Mais que trop, vous vous dites, est-ce que comme ça, c'est beau? On a vision. Amen. Vision focus ses âmes. Amen, 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 amen. Blast papouin là-bas. Amen. C'est ça qui vient faire ce devoir. Vis-à-vis pas l'homme, pas serviteur de Dieu. Vis-à-vis son bon Dieu, son responsabilité, son devoir. Moi, je dis en an plein, tu viens besoin de mettre la tente de haut pour que tout le monde suivre. Amen. Et chaque âme qui vient si loin de 16. Il y a même un âme, il y a même un grand la joie dans le ciel. Amen. Mais nous pas capables pour terminer. Et là, Jésus dit à Pierre, même tu, oui Seigneur, si tu comptes en moi, paître mes brebis. Brebis qui intéresse mes brebis. Amen, 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 amen. Brebis. Quand parle brebis, c'est âme. Qui est âme? Âme qui intéresse mes brebis. Âme. Intéresse bon Dieu, âmes intéresse Jésus, intéresse Jésus-Christ, intéresse ses âmes. Nous tiens nos enfants bon Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Mais pour nous qui intéresse, nous allons bien. Il y a le diable qui vient nous faire. Fais-nous intéresser avec les choses matérielles. Préoccupés avec les choses matérielles, avec les enfants, avec la case et ça. Viens qui tourne ça, viens qui tourne ça, viens qui tourne ça, viens qui tourne ça, viens qui tourne ça. Oh, nous problèmes, nous tournons en place. Mais ça dit monde qu'il y a un problème, puisqu'il nous porte tapissement là. Qui s'en a pour amener ça? Qui s'en a pour donner ça? Qui s'en a pour tirer dans son problème, dans son lapin, dans son difficulté? Qui s'en a pour tirer dans son prison de péché? Qui s'en a. Et aujourd'hui, le Seigneur les connaît pour qui vous servir. C'est sur l'église. C'est sur l'église aujourd'hui. Dieu les conclut sur l'église. Attention. Dieu les conclut pour tout à chacun de nous. Dieu nous donne moyen de nous. Même un téléphone. Nous tous un portable. Pas diamant qui nous prenne un camarade, pas diamant qui nous prenne une famille, pas diamant qui nous prenne une connaissance, pas diamant qui nous prenne quelqu'un qui a un problème, pas diamant ça mentir. Si nous chrétiens avons un problème, pas la peine un problème. Dieu donne-nous le moyen. Le diable capable peut-être de servir dans le mauvais côté, nous capables de servir dans le bon côté. Amen.
Nous capables en contact avec un homme, travailler avec lui, le téléphone, travailler avec lui, donner la parole, consoler, montrer lui si mes sorties, donner ça, donner comment dire ça, l'espoir là, à ce qu'il est capable de mettre dans les jours, donner ça l'espoir là. Et ça, l'espoir là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est j'ai. Jusqu'à qui t'as mis dans les pâtiras. Dès que tu mets les pieds là, toi, tu avances, l'âme de Dieu prend. Amen. Bon, les souhaits. Chacun se travaille, chacun se limite. Est-ce que vous comprenez ce matin? Diamant est grand valeur. Ils ont toujours de l'importance. Ils ont toujours de l'importance. Chaque brebis a une gagnée d'âme. Chaque brebis qui fait assise là, brebis qui donne naissance, brebis. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen, amen, amen. C'est brebis qui amène brebis. Brebis qui donne naissance, brebis. Et chaque brebis qui amène un brebis, ça écrit dans ce livre de l'œuvre, ton livre, ton carnet. J'aime un petit coup. Ton carnet, et un livre là, ton carnet, ton œuvre, ton travail. Qui ce soit le bien, qui ce soit le mal, ça livre là, l'irico. Tu connais quand on monte là-haut, ouvert, ça livre là comme ça. Tout 50 âmes. Le nom des 50 âmes qui rentrent dans les ciels, ça 50 âmes là, il doit te garnir, te le faire. Ça veut dire, il doit te l'œuvre, ton travail qui doit le faire. Tu as la joie dans les ciels. Tout le Seigneur, laisse-moi descendre dans la terre. Moi, dans mon église, je suis dépilé. Il y a 50 âmes qui vont travailler dans la terre. Qu'est-ce que je te lâche, Seigneur? T'es fini de monter, descends toi. Mais va t'en partir pour venir à cette terre. Amen, amen. Et là, pour venir, ce panier vous plaît, mais et là, pour venir ce panier de vide. Et pour terminer, je vais vous trouver comment dans les derniers temps, comment donc vous gagnez un âme difficile. Paraît difficile? Non, soyez logique. Il y a une vérité, ça. Parce qu'il y a une religion et un grand bagram devant nous. Tout à fait énorme, juste pour empêcher l'évangile de traverser. Mais c'est mort, quelquefois, pour perdre un âme, un minute trop beaucoup. Un minute trop beaucoup pour perdre un âme. Vous connaissez qu'un âme, il perdit. Quand tu es affaire dans les guerres de Jésus-Christ. Parce qu'il est mort pour sa âme-là. Donc, il s'adresse toutes les guerres ce matin. Amen. Est-ce qu'il comprend quelque chose? Il reçoit un message ce matin? Est-ce qu'il y a le message clair? Même dans le travail. Dans le travail. Vrai, on connaît pour moi qu'un petit peu de toupé. Pas toupé qui est besoin. On besoin du Saint-Esprit. Amen. Pas ça tout. Vrai, on connaît la toupé. Oui, mon lâcher peut la toupé. Mais quand l'Esprit de Dieu est en moi, lui-même pour mettre parole à la bouche. Ça, je dis à Moïse. Moïse dit à moi, qui m'a pas dit à Pharaon? Qui m'a pas dit à toi? Pharaon là qui était. Aïe, Pharaon, femme capable, femme capable. Allez, découvrez la bouche toi. Moi qui mets la parole. Amen. Mais quand lorsqu'il s'agit qu'il y a une chose âme, ça pour lui, ça, lorsqu'il te trouve face à face avec sa âme là, pas inquiète-toi. Timidité, peur, pas qu'il y ait toi. N'écouvre la bouche, Dieu Saint-Esprit, mets parole pour causer. Amen. Entendez ce matin? Amen. Est-ce qu'il nous bénit ce matin? Amen. Mets-nous les bouches ce matin. Merci, notre Dieu. Et ce matin, nous tous nous mettons la main dans nos équerres ce matin, avant que vous preniez le micro. Merci Jésus, chacun de sa place, s'il vous plaît. Merci notre Dieu, alléluia. Les yeux fermés, s'il vous plaît. Personne par ta droite, par ta gauche, les personnels. Ceux qui nous écoutent maintenant, ceux que le Saint-Esprit qui fait nous tendre, nous faisons la prière à travers de ceux qui nous fait nous tendre. Toutes les choses qu'appellent nos propres préoccupations, nous pouvons dire quand ils ont dit, mon lycée final ouvert. Oui, mon besoin occupe ça, mon besoin de faire ça. Pour faire ça, oui, je connais, Seigneur. Parce que moi-même, besoin de faire ça. Mais Seigneur, moi, je mets une limite dans tout ce qu'il m'a fait. Seigneur, prenez un moment où vous pouvez tirer à part pour faire ta parole sortir depuis dans la Bible, venir dans les guerres sentiments. Seigneur, mets dans les âmes, le bossimètre.
Mais ben ensemble aussi, mes seigneurs, pour me capable de témoigner de parole. Et là, nous la prière, de là où tu es, Seigneur, nous prends un engagement devant toi. Si vous pouvez faire ou pour faire de là où tu es. Nous prends un engagement devant toi. Apporte aujourd'hui, vous connaissez ton Dieu, c'est le devoir de l'Église. Seigneur, moi, membre de ton Église. Apporte aujourd'hui, c'est mon devoir pour ces bonnes âmes, pour autres bonnes âmes, pour travail exemple et pour mes âmes dans ton pâturage. Chacun met devant Dieu son propre engagement, le jeu fermé.